Salut les geeks et les geekettes, j'espère que vous allez bien. Voici une petite vidéo assez courte, c'est plus un billet d'humeur qu'autre chose, car je souhaite partager mon enthousiasme avec vous face à la présentation à la presse la semaine dernière du fameux drone, le Spark, le nouveau drone de la marque DJI. Alors si vous ne connaissez pas, DJI est une marque chinoise qui est leader au niveau de drones grand public. C'est eux qui ont lancé sur le marché le Phantom 3, 4, le fameux Maverick Pro. Et le problème, c'est que c'est des drones d'excellente qualité, mais qui coûtaient très cher, plus de 1000 euros, 1500, 2000 euros, voire beaucoup plus lorsqu'on touchait les professionnels. Et là, la marque DJI a frappé très très fort en présentant la semaine dernière le Spark, un mini drone à 600 euros, 599 euros. Et c'est la première fois que cette marque a décidé de casser les prix et de vraiment toucher le grand public. Alors vous allez me dire la qualité dans tout ça. Alors le Spark de DJI est un drone, un mini drone qui a la taille de ma main. Ma main est assez grande, je l'avoue, mais voilà, c'est la taille de ma main. C'est-à-dire que le drone rentre dans les poches de vos blousons. Il a un poids plume de 300 grammes. Et pourtant, lorsque vous pilotez ce drone avec une radiocommande, il peut faire des pointes de 50 km/h et il peut voler une distance de 2 km. J'ai bien dit, les amis, 2 km. C'est absolument hallucinant. 2 km, c'est vraiment du jamais vu. Alors, il peut filmer en 1080p, c'est-à-dire en Full HD, mais attention, regardez sur Internet, c'est un magnifique Full HD, c'est vraiment un Full HD de qualité. Hein. Et il peut faire des photos de 12 mégapixels, ce qui est déjà très bien. Alors ce mini drone se pilote comment? Alors il peut se piloter via une radio commande, comme je l'ai dit. Et avec ça, vous pouvez donc, le drone peut atteindre une vitesse de 50 km/h et peut voler jusqu'à 2 km. Inutile de vous dire que déjà, vu sa taille à 100 mètres, vous ne le voyez pas. Donc à 2 km, n'en parlons pas. Mais de toute façon, avec la législation en France, vous n'avez pas le droit de le faire voler au-delà de 500 mètres. Mais voilà, sur le papier, il peut voler jusqu'à 2 km. Si vous vous servez de votre smartphone via une application Wi-Fi, évidemment là, c'est beaucoup plus limité. Il atteint seulement 20 km/h et il peut voler jusqu'à 100 mètres, ce qui est déjà pas mal, car il ne faut pas l'oublier que lorsqu'on parle de mini-drones, ces mini-drones qui sont très très simples à piloter, c'est avant tout fait pour le selfie, pour vous filmer, vous photographier, vous, votre famille, les événements, un mariage, je ne sais quoi. Ce n'est pas fait pour faire des grandes explorations, même si vous avez bien compris, si vous le pilotez avec une télécommande, il peut faire 2 km. Et encore mieux, et c'est là où il est totalement innovant, vous pouvez le piloter via des gestes. C'est-à-dire, imaginez, vous sortez le drone de votre poche, vous l'allumez, il s'envole, et avec des gestes de la main, tout simplement, vous pouvez le faire avancer, reculer, le stopper, et prendre une photo ou une vidéo et le faire revenir sur votre main. Est-ce que ça, c'est pas hallucinant, les amis? Vous pouvez piloter le drone avec la main. Donc, voilà, sans compter d'autres fonctionnalités, car il y a des... vous pouvez le programmer pour qu'il puisse s'envoler autour de vous. Enfin, il y a des tas de fonctionnalités assez innovantes dans ce drone et pour 599 euros. Prix d'appel, car vous pouvez mettre également 200 euros de plus et là vous avez des batteries en plus, voilà, vous avez évidemment des accessoires en plus si vous mettez 200 euros davantage, donc 800 euros si je fais bien le calcul. Alors pourquoi je suis enthousiaste? D'abord, ça fait longtemps que je cherchais un drone performant qui soit mini, un mini drone, car il y avait déjà de bons drones, notamment le Bebop 2 de la marque Parrot. Il était énorme, il fallait avoir un gros sac à dos rien que pour transporter le drone.
Là, le drone rentre dans un sac à main. Donc là, absolument, il n'y a plus de problème. Et c'est ça qui est vraiment formidable, d'où mon enthousiasme. Bah écoutez, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous partagez cet enthousiasme ou pas? Est-ce que ce drone, le fameux Spark de la marque DJI, est-ce que ça vous enthousiasme? Moi, je ne vous le cache pas, ce sera mon prochain achat dans les semaines à venir, car je rêve d'avoir ce drone pendant mes vacances. Donc dis-moi, dites-moi si vous partagez le même enthousiasme que moi. En tout cas, j'ai déjà un drone, un mini drone qui est le Breeze de la marque Yoniq. Je suis en train de faire le test. Je traîne pas mal, j'avoue. Ce test, je vous le promets, il sortira mardi. Donc là, je suis en train de finaliser le test. Donc le test du mini drone, le Breeze de la marque Yoniq sortira, c'est promis, mardi. Donc voilà, je crois que je n'ai plus grand-chose à ajouter. Voilà, renseignez-vous, tapez sur les moteurs de recherche le Spark de la marque DJI et je pense que lorsque vous verrez les images, vous serez probablement aussi, je l'espère, enthousiaste que moi. En tout cas, inutile de vous dire, lorsque je l'aurai, je ferai également un test et il y aura pas mal de choses là-dessus, d'images, de photos. Bref, comptez sur moi pour que je vous en parle. Bref, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah faites-le. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas louper mon test. Et si vous êtes un amateur de la culture geek, abonnez-vous, hein, comme vous le savez peut-être. Hein, je parle de produits high-tech, mais également de cinéma, séries télé. Enfin voilà. Allez sur ma chaîne. Il y a une cinquantaine de vidéos au moins. Il y a forcément des thématiques qui vont vous intéresser. Partagez la vidéo si vous pensez que la thématique du drone peut intéresser quelqu'un dans votre entourage. Et moi, je vous dis à une prochaine fois. Bye!